PEGI 18. Salut tout le monde, c'est Zelud. On se retrouve sur Alice Madness Returns en commande d'Alice dans un hôpital psychiatrique. La fois dernière, on avait croisé la Reine Rouge qui nous avait du coup envoyé ici, qui nous avait dit que on se pose pas vraiment les bonnes questions, si on peut dire ça comme ça. Cette fois-ci, on va continuer du coup Alice. Grosse information avant de commencer cet épisode-là. Vous savez qu'au début de chaque épisode, ou presque chaque épisode, parfois si il est possible que j'en ai oublié un ou deux, il y a une interdiction au moins de 18 ans, parce que le jeu est interdit au moins de 18 ans. Je vais accentuer encore plus cette interdiction sur cet épisode-là et les épisodes à venir, parce que cet épisode va être vraiment très très glauque, et gore, et peut choquer certains d'entre vous. Voilà, donc... Même si vous avez 18 ans et vous êtes susceptible sur certaines choses, je vais pas trop vous en dire, mais par exemple des poupées décapitées, du sang qui gicle, enfin des trucs comme ça, voilà, j'en dis pas plus. Arrêtez-vous là, voilà, je suis désolé. Arrêtez-vous là. Et puis allez, regardez peut-être sur YouTube s'il existe pas par hasard quelqu'un qui fait sans, enfin avec des scènes coupées, juste l'histoire, peut-être pour suivre juste l'histoire. Je sais pas si ça existe, mais voilà. C'était le petit message prévention. Bien, sinon continuons. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc on est Alice, chauve et tout, on est vraiment mal au point. On est bien dans une hôpital psychiatrique. Très bien, elle marche vraiment d'une dégaine toc 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 toc. Ouais, on voit qu'elle est vraiment mal au point. What? Oh. Ah, ça m'a effrayé. Oh. Bonjour. Oh là 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 là. Étrange. Où sommes-nous? Enfin, où sommes-nous? Je sais où on est, mais... Faut monter ou descendre? Je sais pas. Okay. J'aurais tendance à suivre les deux mecs là qu'on avait vus au fond. Ok. D'ailleurs, c'est pas logique parce qu'on a vu les mecs passer de là à là-bas alors qu'un escalier qui était en roulette. Alors, continuons. Silence. Ok. Trépanation. Ah, voilà. Donc, quand je vous disais les moments un peu glauques, je sais pas ce qui m'attend là maintenant, mais trépanation, c'est quelque chose que je connais. Je sais ce que c'est en fait. Que j'ai jamais vécu, hein. Je le dis quand même. Mais pour ceux qui savent pas, est-ce que je le dis maintenant? Alors je le dis pas maintenant parce que j'estime avoir fait la vidéo avertissement, enfin le moment avertissement avant. Donc du coup ceux qui sont là c'est ceux qui s'engagent à venir, voilà. Donc je vous laisserai découvrir ce que c'est, pour ceux qui s'engagent à voir ce que c'est. Et si on le montre pas, je vous dirai ce que c'est. Ce serait pas, comment qu'elle s'appelle, de chez les fous? Ouais. C'est Alice, la plus précieuse des folles. Les instruments sont monstrueux. Mais un trou dans la tête libère les mauvaises pensées. Juste ce qu'il faut pour un tel cerveau. Bon, pour les crises aussi. Il faut être aussi malade que ceux après qui on râle. Voilà. Bon, vous savez ce que c'est une trépanation? Du coup, une trépanation, c'est un trou dans la tête. Voilà, c'est pour... À l'époque, on disait que ça faisait libérer l'esprit. Et on arrive dans une ambiance qui est vraiment ultra glauque. Hein. Comme vous pouvez le voir, là... Là, c'est vraiment, vraiment glauque. Hein. Voilà. Et ça va aller de pire en pire. Hein. C'est pour ça que vraiment que je voulais vous mettre ce message d'avertissement avant. Par contre, je vais à où, maintenant? Alors... Phlébotomia. Je sais pas ce que c'est ça par contre. Certains états mentaux exigent la pratique de la cellule. Oui. Le docteur ne pense pas que ce soit nécessaire pour vous. Mais je suis au bout du rouleau. Et ces sangsues ont soif. 13 à la douzaine, infirmière. Laissez-moi les poser. Non, moi, pour que ça fasse mal.
pauvre Alice, tout ce qu'elle a vécu. Donc ok, donc ça, donc c'est la le soin par les sangsues. Je savais qu'il y avait un truc comme ça par les sangsues, mais je ne connaissais pas le nom. Ok. Donc c'est la phlébotomia. Ok. Bon, je serais peut-être un peu moins bête, même si d'ici là j'aurais oublié. Bloc 1. Ok. Je sais. Dans quel sens faut-il s'y prendre? J'allais dire que... Aplatois-tu. Laisse-moi, Steven. Tu vas au petit coin? À rendre fou. Tu l'es, et moi, que suis-je? Je te donnerai... Un cadeau, c'est trop. J'ai rien pour toi. Je m'en remets à votre énorme prépotent, votre majesté. Juste une charrue, un chariot. Le chat a fait la vie. Un chat? Patience. Au passage, on est à 75% du jeu, donc dans un quart d'épisode, enfin un quart d'épisode, encore un quart du jeu et on a fini. Okay, donc là, on ressort, c'est ça? Allez, Alice, me doit-on moins de respect et d'obéissance qu'à la reine? Sens inverse. Serait-ce trop demandé? Je veux la même chose qu'elle. Mets-toi bien ça dans la tête, ne pense plus à ses tentacules. Le train est bien plus confortable. C'est ça ou un retour à Raclette? Jamais un mot gentil ou un remerciement pour mes services. N'ai-je pas droit à mieux que ça? Ce que je dis, c'est que vous ne devriez pas cracher sur ce que je vous ai donné. Je vous ai fait sortir de l'asile. Mais maintenant, c'est vous qui choisissez d'y retourner. Je l'ai dit à ta mère. Tu es une enfant têtue qui se renferme dans son monde. Grandir, c'est quitter le monde merveilleux. Le monde réel n'est pas aussi fantastique. Il faut que tu grandisses. Ou as-tu encore besoin de soins? Vous avez l'air bien, mais les apparences sont trompeuses. Je sais que vous êtes instable et violente. Je ne suis pas surpris de voir que vous êtes à nouveau interné dans cet asile. Un long séjour sous surveillance vous fera du bien. Ok, donc on en apprend de plus en plus, et comme on l'avait su déjà les épisodes derniers, on sait que Bumby, c'est lui qui avait cramé notre maison. C'est bien lui qui veut tout nous faire oublier, qui nous a fait interner, etc. Alors que c'est vraiment que de sa faute. Salut. Wow, 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 on se calme. Ouais, c'est vraiment la décadence de pire en pire, là. Si on a ici, c'est sorti. Le truc, il allait m'agresser, là, ou quoi? Il y a eu un bruit très bizarre d'un coup. Serait-ce trop demandé? Je veux la même chose qu'elle. Non, tu veux juste me faire oublier, histoire de cacher tes crimes. C'est typique des jeux, je sais pas pourquoi ils font ça, je vois pas trop l'intérêt, pour être franc. Voilà. Je vois pas l'intérêt de faire suivre une lumière comme ça, je comprends pas. C'est vraiment rajouter du gameplay pour rien, je trouve. Sauf si vraiment ça apporte quelque chose, mais... A l'aide, Alice! Nous avons besoin de vous! Ne partez pas! À nouveau! Aidez-nous! Pourquoi souffres-tu? Les supplices de la reine ne sont qu'un souvenir. Elle n'a plus d'emprise sur toi, n'est-ce pas? Nos ennemis changent, et un nouveau mal a surgi. La cruauté de ce démon a détrôné celle de la reine. Voilà. Quand je disais des trucs glauques, genre poupée glauque, c'est une poupée, hein, c'est pas... Enfin, je crois. je crois. Ah, notre fameuse maison. La fameuse maison des Lidl. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose, genre un souvenir ou quelque chose? C'est possible. C'est fort probable. Non, ok. La maison... Voilà, donc c'est exactement de ça dont je vous parlais. La maison des poupées, voilà, c'est ça. Donc, c'est une poupée qu'on a croisée avant. Et il s'agit, je crois, d'après moi, de deux têtes. Il me semble que c'est le dernier chapitre. Et je vois pas d'autres maps que celle-là, en fait. Et à mon goût, c'est la map la plus glauque du jeu. Alors la musique est toujours extraordinaire, ça ne change pas. Mais vous verrez que c'est la map la plus glauque du jeu, je trouve, à mon goût. Et peut-être, je dirais pas la plus dure, mais la plus labyrinthesque, je dirais. Et vous voyez également qu'on a changé de tenue. Voilà, Alice s'est transformée en genre de poupée. Perso, je suis pas trop fan, mais je préfère celle-là que la tunique d'eau, personnellement. Mais bon, bref.
Par contre, j'ai eu un gros souci, c'est que j'ai oublié de vous enregistrer le nombre de temps que ça fait d'épisodes. est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête là du coup? Je pense que ça doit faire 10-12 minutes qu'on est ensemble. Donc on va continuer un petit peu encore. On va essayer de continuer un peu encore, sinon au pire ça fera un épisode un peu plus long, je m'excuse, mais je pense pas que ça soit si grave, on va dire. Vite. Merde, je l'aurais pas. Si, c'est bon. Allô? Wait. Faut que j'aille où après? Ah, comme ça? Oh merde. Wait, attends, je suis pas bien. J'ai pas bien tout suivi là. J'ai pas tout bien suivi. Ça, ça baisse, ça va là. Ok, mais quel intérêt? Là, j'ai pas l'impression que j'y étais arrivé en fait. Soit, on va essayer. Et merde. Parce que là, jamais de la vie j'arrive. Ouais, jamais de la vie j'y arrive. Alors j'ai une autre idée sinon de où aller. Une autre idée de où aller. Ah, ça en arrive juste au moment pile où il y a le truc vert. Je pense qu'il faut peut-être pas aller là-bas. Ah si. Alors, là en soi, j'ai fait exprès de descendre parce que là-bas il doit y avoir un souvenir, une bouteille ou un truc. Par là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des gâteaux pour des dents. D'ailleurs, on a masse dents au passage, je viens de capter. Qu'est-ce qu'on va acheter avec toutes ces dents? On peut acheter soit le moulin à poivre, soit la théière canon. Je pense que je vais prendre le moulin à poivre. Il va me servir beaucoup plus, ce qui est ultra stylé. Il est vraiment classe. Hein. Attendez, on va juste le changer. Yes, il est stylé en vrai. Il est classe. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? C'est la suite ou c'est le... Oh, je sais pas. On n'est pas sur la suite là pourtant. Oh putain. J'aurais dû faire ça avant. Ah, déjà. Ça, je sais pas pourquoi j'ai gardé. Juste là en fait. What? Non mais tout a changé en fait. Ah, d'accord. Bon, moi la suite était là-haut en fait, mais apparemment ça a l'air de bien continuer par là, je sais pas où est-ce que ça nous emmène. Bon bah tant pis hein. Ah non, on est revenu au point de départ, ok, donc c'est bien par là, nickel. Ah, très bien. Yes, ok. Point de départ. Ah, là ça va être compliqué par contre. Facile, trop facile. Alors là j'ai un bumper. Souvenir du docteur là-haut. Allons. Les enfants adorent les jouets et nous adorons les enfants. Qu'ils deviennent adultes et alors tout se perd pour eux, comme pour nous. Sauvez-nous là-haut, d'accord, très bien. C'est bizarre ça. Ah non, c'est juste une chaise, d'accord, ok. Je crois que c'était genre une porte dérobée ou un truc dans le genre. Ok, il faut aller là. Très long tunnel. C'est pourquoi ça? Je sais rien du tout. Une bouteille, d'accord. J'ai pas pris les dents. Ah, je suis mort en plus.
J'ai pas pris les dents et je suis mort. Est-ce qu'il y a moyen que je récupère les dents du coup? Non? Ah bah triste. Tant pis pour moi. Où suis-je? Ah d'accord, je suis là, c'est pour ça. C'est pour cela. On a la suite qui est tout droit. Les dents qui ont des pop, évidemment. Puis on a une manivelle. Oh, on a pas mal de trucs. Hein. Cool ça. Qu'est-ce que ça va faire? C'est très glauque, hein. Ok. Hop. Oh, un panier repas, nice. Je prends, moi, je prends. Ah, gros. Bonjour, toi. Hop. Qu'est-ce que tu vas me donner? Ah, d'accord, tu m'améliores juste ça. Très bien. Écoute, pourquoi pas. Voilà, j'ai deux possibilités. Soit je vais là, soit je passe par là. Je sais qu'il a l'air d'y avoir un truc encore là-bas. Attendez, on va d'abord aller là. Voilà, quand je vous disais que c'était vraiment un labyrinthe, ce machin, c'est qu'il y a des trucs dans tous les sens, c'est ouf. Un truc de malade. Ok, et ensuite ici. Il y a tout ça, mais comment je fais là? Je peux pas. Je pourrais jamais y aller en fait. A mon avis, c'était l'autre chemin par ici. À mon avis. Je pense. Je pense que c'était l'autre chemin. Bon. Je pense que j'ai oublié plein de groins, plein de dents, j'ai oublié plein de trucs, je pense, à mon avis. À mon avis, je pense que c'est inévitable, ça. Ok, on va ouvrir la trappe. Cherche et tu trouveras, dit-on, mais on ne dit pas quoi. Oh là là, oh là là, oh là, le labyrinthe. Ensuite, si je peux rien faire avec ça. Je déconne pas. Hein. Ceux qui sont instables ne sont pas seulement fous. Leur assemblage est compliqué. Le marionnettiste les privera de ce qui leur reste de leur âme. Aidez-les.
Je comprends leur souffrance. Je les aiderai. Mais est-il nécessaire d'être sain d'esprit ? Un petit peu, mais... Vous n'êtes pas assez folle pour être recalée. Vous êtes comme eux, en quelque sorte. Mais vous n'êtes pas eux. En fait, je devrais dire nous. Car je suis eux et vous venez à nous. Le chemin est clairement indiqué. Je crois connaître le chemin. Et j'aimerais mieux ne pas m'y engager. Il est là, imbécile. Rentrez. Charmant, n'est-ce pas, hein? Allez. Poupée. Oh, quelle est battable, vache. Oh, je ne sais plus. Ah! Ok, c'est cool. Par contre, je ferai plus de dégâts après. Ok, ça fait plus de dégâts ça. Ça, ça en fait. Elle se protège. Yes. Yes, voilà. Ça va, pas trop bon. Plex. Charmant l'entrée. Très charmant l'entrée, hein. Vraiment, ils auraient pu faire mieux quand même, hein. Bref, on va juste aller chercher quelques trucs quand même. On va avoir quelques dents quand même. On a 626, est-ce qu'on peut améliorer une arme? Oui, on peut améliorer la canon théière au niveau 3. Qui sera un peu plus utile du coup. Nice. Ok, il nous manque 725 dents et on est full amélioration. C'est cool ça. Il y a un truc là-haut qui bouge, vous voyez. Je sais pas trop ce que c'est. Mais bon. Non, moi je viens pas d'ici. Je vais pas te tirer dessus par hasard. C'est une genre de cible le machin quand même. Non. Ok. J'ai rien oublié. Non, allons-y. Non, on va pas y aller, on va s'arrêter là d'ailleurs. On va s'arrêter devant la verge du bébé. Je vais me faire démonétiser ou je vais me prendre un avertissement. Avec ces trucs là. Alors ici il y a quelque chose forcément. Une dent. Ah, c'est le souvenir de la nourrice ici, je suppose. Yes. Il est bien connu que celui qui dîne avec le diable doit avoir une très longue cuillère. Bien, voix des grenouilles, d'accord. Bien, j'espère du coup que cet épisode d'Alice vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, à commenter la vidéo. C'était The Roots, à tout le monde. Et à la prochaine, allez, ciao.